La promesse de la déesse a commencé d'une étrange manière. Altan a trouvé un poulain tout chétif, abandonné à l'orée d'une forêt, probablement par un chef de guerre, peut-être même le grand Khan lui-même. Altan prit pitié du petit cheval. Il le ramena dans la yourte de ses parents, et là, du matin au soir, il lui donna du lait de jument. Le poulain grandit, forcit, jusqu'à devenir, à l'étonnement de tous, un magnifique étalon. Quelques années plus tard, pour lui faire plaisir, les parents d'Altan l'inscrivirent à la fameuse course de chevaux du Nahadam, la grande fête des Mongols en juillet. À ce moment de l'été, en Mongolie, la terre est si aride que seuls les meilleurs cavaliers arrivent au terme de la compétition. Et là, à la surprise générale, le cheval d'Altan battu d'une encolure, le cheval du grand Khan. Le maître est rentré dans une folle rage et a ordonné à ce qu'on confisque le cheval. Altan a eu beau lui dire que son cheval n'obéissait qu'à lui, le grand chef n'a pas voulu entendre. Au contraire, il a décidé de dresser le cheval par la force. Mais à chaque tentative, l'étalon ruait et envoyait le maître au sol. Alors, le grand Khan ordonna à trois de ses meilleurs archers d'abattre le cheval. Le premier lança sa flèche et manqua la cible. Malheureusement, les deux autres ont atteint le cheval. Blessé, il a réussi à s'enfuir et à retourner jusqu'à la yourte de son maître. Il s'est couché sur le flanc, a posé sa tête sur les cuisses d'Altan. Et là, lui a dit, « Je crois que dorénavant, avec mes blessures, nous n'arriverons plus jamais à chevaucher comme avant. Mais coupe quelques crins de ma queue, tends-les sur un manche de bois, et avec cet instrument, nous arriverons de nouveau à chevaucher ensemble par la pensée. » Alors, dès l'aube, Altan suivit les conseils de son bien-aimé cheval. Et c'est comme ça qu'est né Mörn Rhoch, le violon cheval de Mongolie.